c'est l'immigré nettoie la France et les touristes viendront prendre des photos. Et tes enfants, t'inquiète pas, on va les mettre en prison, t'inquiète pas pour eux. La Picardie, c'est pas les Hauts-de-Seine, voilà. c'est pas la région la plus riche, c'est pas la plus pourvue en emploi, le bassin est très limité. Et du coup, face à ça, il y a peu de marge de manœuvre. C'est pas du fatalisme, hein, mais. Et du coup, oui, dans les années 80, on mettait l'accent sur la dimension sociale, sur la réinsertion. Et avec l'idée, avec une vision de l'être humain, qui était une vision positive et optimiste de l'être humain, c'est-à-dire que tous les êtres humains peuvent, l'idée de la rédemption qui est très forte, peuvent être réinsérés, leur parcours peuvent s'inverser, etc. On est tombé dans une ère, une période où on est dans un discours et une vision très pessimiste de l'être humain. Il est récupérable et du coup on le neutralise. On l'enferme. Même le fonctionnement de l'administration pénitentiaire, la prison, etc. La mission, il y a une fonction de réinsertion hein, qui est officiellement avancée, mais qui est très peu investie en termes de moyens. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est de gérer les risques, d'évaluer la dangerosité, neutraliser les personnes. C'est ça qui focalise l'esprit, et du coup, on va mettre beaucoup d'argent sur l'aménagement urbain, sur la vidéosurveillance. On va faire en sorte de pouvoir intervenir plus rapidement, de gérer les risques, de les diminuer, etc. On investit beaucoup moins sur l'humain, sur l'être humain, sur sa capacité à s'inverser, et également sur la capacité de la société à s'ouvrir également. Bon. Tu me parlais tout à l'heure d'un jeune qui commençait à changer de regard sur les gens et sur les Français, comme il dit, depuis qu'il a trouvé un emploi. Bah ouais, bah ça, c'est typique. C'est typique du fait que nos perceptions sont très déterminées par notre situation. Et inversement, nos perceptions jouent sur notre situation. Et comment dépasser ça avec une marge de manœuvre réduite? Bon, c'est pas une situation faramineuse, c'est pas une situation fameuse, mais à mon sens, moi, ce que j'observe là, et ça, c'est mes premiers résultats de recherche sur les sorties de bandes ou les sorties de délinquants, c'est que la plupart, alors à quel moment, c'est variable selon les lieux, selon le monde, mais la plupart s'en sortent. C'est-à-dire qu'au final, il y a quand même des petites failles, des petits machins qu'il faut pouvoir investir. Mais pour ça, il faut que les gens aient confiance, et de l'autre côté, il faut qu'il y ait une ouverture qui se crée. Et là, c'est pas avec les discours qu'on entend, c'est pas ça qui va encourager ces formes d'ouverture. Moi, si je prenais le quartier, il était intéressant parce qu'il y a du pavillonnaire, propriétaire, il y a de la copropriété fermée, machin, et puis il y a le bloc très stigmatisé, très pauvre, etc. Bon. Et je suis persuadé que juste là, sur 1 km², il y a plein de ressources. Il y a plein de gens qui ont des emplois qui pourraient faire rentrer quelqu'un d'autre. Il y en a qui ont des petites boîtes qui pourraient en embaucher un, soit en stage ou machin. Il y a d'autres qui pourraient louer un appartement. Il y a d'autres qui pourraient aider au niveau scolaire. Je suis sûr qu'il y aura les ressources, mais une société qui se tond le dos, qui se méprise, qui se méfie. On a une forme de défiance un peu structurelle. Surtout qu'il y a un fort potentiel aussi là de certains d'entre eux sont très ont un désir d'entreprendre, enfin ils ont un esprit même d'entreprise quoi. Ah ben, la rue apprend ça. Le business apprend ça. Moi j'ai vu pas mal d'anciens dealers devenir des chefs d'entreprise, se mettre à leur compte et gérer plutôt bien leur baraque. Ils se sont formés sur. Dans la rue, ils se sont formés sur le bitume, ils ont dû à développer des techniques de gestion, etc. Mais il y en a certains qui le réinvestissent au moment où ils passent à autre chose. Ouais. Mais la rue fragilise également beaucoup. Elle fragilise mentalement, elle fragilise physiquement, socialement, économiquement. Donc voilà, c'est aussi ça. Quoi. Ce qui me frappe moi, dans les parcours de sortie délinquants, c'est qu'il y a des rencontres. Des rencontres qui peuvent paraître insignifiantes. Il y a des moments qui peuvent paraître insignifiants. Il y a des mots qui peuvent paraître insignifiants, mais qui ne le sont pas pour ceux qui les réceptionnent, notamment lorsqu'eux, ils sont hyper stigmatisés. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous êtes montré du doigt et que pour une fois, on vous tape sur l'épaule, ça vous fait bizarre
et c'est pas sans effet. Donc effectivement, c'est un travail qui est déterminant. Et puis je pense que le jugement moral, il faut le suspendre à un moment donné. C'est-à-dire que ceux qui font des bêtises savent qu'ils font des bêtises, savent que c'est pas bien. C'est pas le problème, il n'est pas de leur faire prendre conscience de la gravité de leurs actes. Parce que ça, ça se situe pas là. Mais ça se situe dans l'ouverture sociale, les perspectives qui s'offrent, et puis surtout la confiance qu'ils peuvent avoir en eux. Et la confiance, c'est quelque chose d'interpersonnel, il faut bien qu'elle se transmette. Dans ma tête ça cogite, trop de problèmes, je pense qu'à me barrer d'ici. Une pensée pour les frères partis, pour que j'allume une bougie. J'ai un peu au bloc 5. Chaque jour, dans ma tête ça cogite, trop de problèmes, je pense qu'à me barrer d'ici. Une pensée pour les frères partis, pour que j'allume une bougie. J'ai un peu au bloc 5. Chaque jour, dans ma tête ça cogite, trop de problèmes, je pense qu'à me barrer d'ici. Dans ma tête ça cogite, trop de problèmes, je pense qu'à me barrer d'ici. Ok, ok, c'est pour la famille, bloc 5. En mode rue et cruel. Django live, wesh gros, c'est quoi la vie? Elle est street live. Nique sa mère, le maire, monsieur le procureur, la justice. On se démerde comme on peut. Fume tes cheveux, si t'es pas content, on n'est pas méchant. Et parfois, on peut être violent. Si, si, on présente pour Youssef Boutchiche. Wesh, c'est pour le petit frère. Aujourd'hui, il fume pas de la chiche. Rien à foutre. Oh ouais. Oh ouais. Une pensée pour les frères partis, pour que j'allume une bougie. Wesh, Angola, t'es là ou pas? T'es là ou pas? Bloc 5. Trop de problèmes, je pense qu'à me barrer d'ici. Une pensée pour les frères partis, pour que j'allume une bougie. Chaque jour dans ma tête ça cogite. Trop de problèmes, je pense qu'à me barrer d'ici. Bonjour man, Chiki. Hey.